Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour les spoilers du chapitre 1114 de One Piece et encore une fois des spoilers qui s'annoncent intéressants. Donc n'hésitez pas à liker un maximum la vidéo pour me soutenir, à vous abonner si vous aimez One Piece. Ici on en parle toutes les semaines, voilà, One Piece c'est la vie. En tout cas c'est parti, let's go pour les spoilers du chapitre 1114. Alors on a Vegapunk qui diffuse toujours son message et il commence à parler du chèque oublié. Sauf qu'il dit qu'en fait, il n'en sait pas trop. Voilà, donc finalement, il va pas nous révéler tant de choses que ça. Bien évidemment, faut nous garder une part de mystère. Et le but, c'est que Luffy découvre ça de lui-même. Alors que si tout le monde est au courant des infos, ben, Luffy ne pourrait pas le découvrir par lui-même. Et tant mieux que ça soit comme ça, finalement. Même si ça va énerver beaucoup de gens. Il dit qu'il était une fois un jeune homme nommé Joy Boy de l'ancien royaume il y a 900 ans. Qui avait le pouvoir de s'étirer, littéralement du coup le pouvoir de Luffy. Est-ce que certains feront le rapprochement avec Luffy, certains personnages comme Crocodile ou autres qui l'ont combattu? Peut-être, ou qu'ils le connaissent en tout cas, ça peut être intéressant. Et on voit également Mother Flame dans ce chapitre là, et a priori c'est une flamme sous l'eau dans un réservoir. Voilà ce qu'on a comme info. C'est très vague, très mince, mais petit à petit, on commence à, un petit peu à assembler les bouts, à avoir un peu les infos. Et attention, dans ce chapitre-là, on voit également d'autres réactions de personnes du monde entier, en fait, au message de Vegapunk. Donc c'est en deux parties, parce qu'on avait une première partie la semaine dernière avec des gens qui réagissaient. Donc dans ce chapitre-là, sûrement qu'on verra les gens qu'on n'a pas vus dans le dernier chapitre y réagir. Et j'espère Cross Guild, pourquoi pas à un moment, du Crocodile, du Mihawk, du Baggy, je sais pas. S'il vous plaît, faites que Cross Guild, on les revoit, parce que j'ai envie de les revoir. Et parce que leur réaction peut être intéressante, surtout vu la situation actuelle. Voilà pour les spoilers, et encore une fois, One Piece, c'est la vie.